Allez, bonjour Franck, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Enchanté. Voilà, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de cette session. Voilà. Merci. Avec son beau sourire. Alors, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Voilà, alors dans le travail que je fais, c'est que j'ai la particularité de pouvoir détecter des présences du bas astral. Donc Ouais. je vais faire ça pour prendre des âmes évidemment, mais aussi des reptiliens, des insectoïdes, enfin tout ce genre de choses. Je peux voir dans les pensées des gens, enfin, en tout cas voir les mauvaises énergies que ça provoque. Je peux aller détecter des blessures qu'ils ont qui sont dues à des vies antérieures, etc. Mais j'ai un frein et j'ai déjà vu des médiums qui ne comprennent pas comment enlever ce frein. C'est que tout le monde m'explique que j'ai comme un voile qui est très fin, mais qui ne me permet pas d'avoir la clairvoyance et la clairaudience pour que mon travail soit parfait. D'accord. Et j'aimerais savoir d'où ça vient pour justement soit travailler dessus ou savoir comment le retirer. Bah, on est là Et pour ça. si c'est pas possible, bah c'est pas possible, mais au moins j'aurai une réponse. Donc D'accord. il y a ça. Après, puisque comme je fais quelque chose d'assez particulier, parce que c'est curieux je sais pas, de travailler. Mon travail, c'est de retirer les reptiliens, ces choses comme ça chez les Alors, gens, c'est curieux. j'ai une question à te poser quand même, excuse-moi. Donc tu me dis que tu détectes les présences du bas astral, reptiliens, etc. T'as pas la clairvoyance ni la clairaudience. Comment C'est tu que sais du que c'est clair des... ressenti. C'est du clair ressenti et je peux le. D'ailleurs, je le fais chez les gens, je le prouve. Donc t'es C'est que plutôt kinesthésique alors. Oui, parce que je peux même dessiner la présence, même si c'est une âme qui est sur un lit, je peux la dessiner, mais je ne sais pas comment je le sais. C'est particulier. Bah, c'est peut-être ça ta clairvoyance, tout simplement. Peut-être que tu as une idée de ce qu'est la clairvoyance, Oui, alors que déjà, si tu es capable de le dessiner à travers ton ressenti, c'est une forme de clairvoyance. c'est vrai, mais Alors, j'aimerais ne pour cherche pas de moi, convaincre de c'est quoi pour que ce être. soit, hein. On va aller voir ce qui se passe, mais. Alors, ce que je veux dire, c'est que je pense que je serais plus efficace. J'essaye de mettre l'ego de côté. Hein. Si je pouvais avoir un dialogue, comme des médiums que je connais le font, avec ces présences, parce que je pense que je comprendrais mieux qu'est-ce qu'ils font là ou qu'est-ce qu'ils font sur les gens. D'accord. Et peut-être mieux affiner mon travail. J'ai oublié de dire aussi que les présences extraterrestres, je peux les détecter. Quand ils mettent des objets chez les gens, je les vois. Enfin, quand je dis je les vois, encore une fois, D'accord. il n'y a pas à 1 cm près de dire où c'est. Mais je sais pas, je ne vois pas comme je dirais, comme je vois, différent. Bon, bah écoute, on ira voir ça. Hein? Après, ce que j'aimerais, c'est, si je sais faire ce genre de choses, c'est comprendre l'histoire. Est-ce que j'ai été ce monde-là? Est-ce que j'étais dans ce Tu monde-là? pourrais parler plus fort parce que c'est un peu. Ah, je vais essayer d'avancer le micro. Oui. Donc, est-ce que j'ai fait partie de ce monde-là? Comment eux me perçoivent? Est-ce qu'ils me perçoivent comme un ennemi ou pas? Parce que Comment ça eux peut te être. perçoivent qui? Si par exemple je vais dans une pièce qui a des reptiliens, comment eux me captent? Est-ce qu'ils me captent comme un ennemi? Comme je ne sais pas, il faut comprendre. Ah, d'accord. Ensuite, j'aimerais savoir, parce que j'espère que mon travail va évoluer, que je vais pas continuer à faire ça tout le temps, vers quoi je vais ou quelles sont les capacités que je peux attendre, que je ne connais pas encore. Voilà, enfin, c'est pour, j'ai envie de dire, tout ça, c'est pour me faire évoluer dans le travail. Après, je pense que le reste, ça va venir tout seul au fur et à mesure de la consultation. Oui, tu vas avoir plein de réponses, même des choses que tu n'auras pas demandé, oui. Ouais. Très certainement. Est-ce que c'est bon pour toi? À qui moi? Oui. Oui, Autrement, problème sans, au niveau santé, tout va Ah bien, y a... si. Alors, si, parce que j'ai pris des notes. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre aussi. C'est-à-dire que professionnellement, y compris dans ce travail, comme c'était le cas dans les autres avant, je suis parfaitement capable de monter un projet et d'aller jusqu'au bout. Et une fois qu'il est prêt, je stagne. C'est-à-dire que je n'arrive jamais quelque part à gagner ma vie correctement ou à évoluer. C'est comme si j'avais un plafond de verre qui me bloque, alors que je vais créer des choses en partant de rien. Et c'est vrai que j'ai ce blocage et j'aimerais aussi comprendre parce que Bien sûr. c'est pas facile à vivre. D'accord. Ok. Enfin, Voilà. pas que le comprendre, de débloquer aussi. Là, débloquer aussi. Voilà, après c'est. Merci.
Ok. Bon. Donc, niveau santé, tout va bien? T'as pas. Oui, non, Hein? j'ai pas de D'accord. soucis apparents. Très bien. Et sur le plan amoureux, couple, tout ça, tout va bien? Je Alors, préfère en parler maintenant parce que. ouais, le plan affectif, j'ai envie de dire, ça fait bien longtemps que je n'ai rien et je pense que j'ai un cœur un peu fermé, mais il semblerait que ce soit en train de changer depuis peu. Alors, C'est important d'en parler. oui, si on peut aborder le sujet, volontiers. Surtout que si tu as le sentiment que tu as le cœur fermé, parce que le cœur fermé, ça veut dire aussi être fermé à certaines dimensions d'existence. C'est ça. Et donc, ça peut être une explication aussi de pourquoi des choses déconnent, ils ne vont pas dans la fluidité, dans la créativité, dans l'abondance, dans hein, l'amour, la joie, tu vois C'est ce que je veux ça. Je dire? pense que ça, oui, ça m'empêche Donc, c'est une clé d'évoluer importante. aussi dans mon travail. Oui, j'ai pas dit ça. Voilà. Hein? Ok. Bon, eh bien écoute, Franck, si c'est bon pour toi, je t'invite à couper le micro et nous, on part pour l'aventure. Ça Bah, marche. hein? Je coupe. J'ai mon bolide qui est prêt. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 220. Très bien, je te laisse l'augmenter. Ça monte de suite à 12 000. Mmh. 15. 17 200. 17 200. Voilà. Très bien. Connecte-toi à moi. Dis-moi combien tu me vois. 290. Alors, je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Parfait. Alors à présent, derrière ton plexiglas, connecte-toi sur Franck et dis-moi comment tu le vois. Je le vois de deux façons différentes, en fait. Il y a la partie physique assez figée, comme derrière comme une sorte de tulle ou de voile très fin. Et c'est assez figé, mais c'est une base nécessaire qui sert en fait de plateforme à son essence, qui elle se déplace très rapidement et qui se déplace d'ailleurs vers toi et vers moi depuis tout à l'heure Quoi faire? en observation curieuse. Et là, c'est un adolescent, en tout cas, c'est une énergie jeune. Curieuse, volontaire, qui est prête à tout tester et qui revient à chaque fois à la base de la partie physique comme une sauvegarde. C'est-à-dire que l'état dans lequel j'ai perçu la partie physique, ça lui sert de garde-fou, en quelque sorte, pour se protéger et pour ne pas passer certaines limites. L'analogie qu'on pourrait faire, c'est, tu sais, quand sur Internet et sur les télévisions, les programmes télévision, il y a ce qu'on appelle les bridages, tu sais, pour les enfants. Ils ont accès à certaines fonctions, mais pas à d'autres. D'accord. C'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est lui-même qui s'est installé ce dispositif-là. Donc tu parles du voile, de ce tulle. Oui. Et puis, il y a cette forme de... C'est figé.
la partie physique, elle pourrait être plus déliée, plus fluide. Mais encore une fois, c'est ressenti comme une sécurité pour lui. D'accord. Ça l'empêche de se laisser aspirer ou de partir dans des zones sans pouvoir revenir de façon correcte. En tout cas, c'est sa peur. C'est pas une peur, c'est un dispositif de sécurité qui a été installé à la base. D'accord. Sauf que ben, depuis que ce système a été installé, il a évolué. Et maintenant, ça devient comme un carcan. Limitant. Limitant, c'est ça. D'accord. Donc il a été utile à un moment donné, et là il ne l'est plus, il devient limitant. C'est ça. D'accord. Que vois-tu d'autre? Bah sur la partie physique, c'est à peu près tout. C'est vraiment sa base. D'accord, donc tu ne vois aucune interférence, tu ne vois pas d'implant, de dispositif, à part ce voile auto-créé. Non, tout ce qu'il peut y avoir comme élément figé, c'est lui-même qui a créé cette situation. D'accord, ok. Bon. Donc, aucune interférence. C'est un peu comme une armure. Sauf que l'armure devient trop lourde. Ok. Alors, identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de Franck. Oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Très bien. Alors, malgré tout, par prudence, je veux quand même en son nom convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, qu'elles se cachent ou non, qu'elles le veuillent ou non, où qu'elles soient, jusqu'au plan archiavélique. Donc, je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Il est dans son château fort, dans sa tour d'ivoire. Les entités, elles sont à l'extérieur. D'accord. Ok. Aucune action? Non, il y a son bouclier. D'accord. Très bien. Alors dis-moi comment est-ce qu'il a eu de vie incarnée sur Terre jusqu'à aujourd'hui? En 3D, hein, de vie humaine. Il y a une sorte de druide qui apparaît. Et c'est tout. D'accord. Une sorte de druide. Où est-ce que nous sommes là? Regarde. Juste pour l'histoire. Y a un menhir et un pentacle. Nous sommes où? C'est en Bretagne. D'accord. Et nous sommes en quelle époque? Il vient 920. 920. Très bien. Alors regardez, il a quel âge dans cette scène? Il a passé la centaine d'années. Il a quelque chose comme 120 ans, quelque chose comme ça. Et il a passé certaines bornes qu'il n'aurait pas dû passer. Ah, alors, on va prendre de l'information. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Que s'est-il passé?
Il y a l'énergie de ce druide qui est mélangée avec des énergies de densité plus basse. C'est comme quand tu te fais attraper la main, tu veux la retirer, mais tu ne peux pas et tu es comme englué jusqu'au bras, jusqu'au coude. D'accord. Et comment s'y est-il pris pour ça? Je crois que ça s'est passé au cours de rituels qu'on pourrait appeler rituels de magie, où il a repoussé toujours plus loin les limites. Et il s'est fait un peu comme un apprenti sorcier, il s'est fait prendre à son propre piège. Il y a eu quelques fois où il s'est avancé trop loin. Et mal lui en a pris. Tu peux aller Il y voir ce a. qu'il a fait exactement, comment il s'y est pris. Va voir une de ces cérémonies, je vais voir le détail de ce qui s'est passé, de ce qu'il a fait et des conséquences. C'est en lien avec ce pentacle et des bougies qui sont dans chaque pointe du pentacle. Et qu'est-ce que tu... Lui-même s'est mis au centre du pentacle. D'accord. Et... Et il a voulu descendre. Je le vois en train de descendre des marches. Mais ce qu'il descend, ce sont les marches pour aller dans les sous-sols de l'astral. C'était quoi son intention en faisant ça? D'aller chercher le mal dans son antre. C'est comme s'il descendait dans une sorte de grotte, mais là je parle en termes énergétiques, Il voulait aller combattre le mal, c'est c'est ça? ça, pour aller le terrasser dans son antre, sauf que là, il y a des parties de lui qui se sont fait piéger. D'accord, il voulait débusquer le mal dans son antre. Ok, et comment est-ce que ces parties de lui ont été piégées? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde cette descente et regarde ce qui se passe. Il y a des griffes qui ont été posées sur son cœur à ce moment-là. Et quand il est remonté, il avait le cœur qui saignait, ses griffes posées sur son cœur. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour lui? Ses possibilités, c'est ce qu'on pourrait appeler ses pouvoirs, ont diminué. Ça l'a affaibli. Et il a quitté le plan physique quelques mois après. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après cette incarnation? Il est parti en laissant tout sur place pour ne pas garder cette marque sur lui, pour ne pas garder cette griffe, pour ne pas garder ce qu'on pourrait appeler cette pollution en quelque sorte. Donc il s'en est débarrassé. Oui. Quand tu dis qu'il allait tout laisser sur place, qu'est-ce qu'il a laissé exactement? La partie physique, les corps subtils et les dispositifs qu'il avait posés dessus. Il a tout laissé là. D'accord. Ok. Donc il est parti libre de cette Il incarnation. est, oui, il est remonté droit comme une flèche. Il a saisi, il a ramassé toutes les forces qu'il avait pour se repousser du fond puissamment pour pouvoir remonter. D'accord. Et donc la vie suivante, c'est celle de Franck aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait entre les deux?
Il y a eu simplement une montée et une redescente. Mais là, il a été littéralement expulsé de la matrice. Mais c'est lui-même qui s'est expulsé. En fait, l'analogie qu'on peut faire, c'est quand tu es en train de te noyer, tu touches le fond et là, tu donnes un grand coup de pied pour pouvoir, suffisamment puissant pour pouvoir remonter jusqu'à l'air libre. Donc là, il s'est expulsé lui-même, il s'est extirpé lui-même de toutes ses couches. Il s'est retrouvé dans le... C'est le rien, en fait. Sans manifestation physique. Le plan morontiel. Oui. Il est remonté là directement. Ok. Et... Alors, j'aimerais que tu reviennes ici et maintenant. Mais il n'est pas redescendu tout de suite directement dans le corps de Franck. Il a fait comme une étape. C'est comme s'il y avait une étape de réflexion avant de retourner au combat ou quelque chose comme ça, avant de retourner S'incarner. dans le jeu, oui. Très bien. C'est là qu'il a créé son voile, il a tiré profit de cette situation, il s'est dit, il faut que je me fasse une protection. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'il a créé ce que maintenant il appelle des limitations. Mais ce sont D'accord. des protections qui sont qui ont été mises là en réaction par rapport à ce qui s'est passé précédemment, pour ne D'accord. pas recréer les mêmes situations ni les mêmes erreurs. En réaction ou en création. Oui. Mais c'est en réaction parce que la création s'est faite en réaction pour ne pas reproduire les mêmes circonstances. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes Franck ici et maintenant. Oui. Malgré qu'il soit départi de tout ce qui, de ses griffes, etc., j'aimerais que tu regardes dans son cœur s'il reste une blessure ou une mémoire ou quelque chose. Blessure, empreinte, mémoire ou autre. Traumatisme. Il y a des mémoires qui sont là. Voilà. Ok. Il a sécurisé la zone. On verra ça tout à l'heure. Très bien. Une dernière chose, j'aimerais que tu regardes avant de venir sur Terre, avant cette vie de druide. J'aimerais que tu me dises d'où est-ce qu'il venait, de quelle expérience il venait, de quelle manifestation. Donc je compte à trois et ton esprit t'y emmène avant donc, avant d'entrer dans cette matrice. Un, deux, trois. Ça m'emmène dans une zone où il y a du violet et du pailleté doré. D'accord. Et tu es sur une planète, tu es dans une bulle de création, sur un autre plan de réalité, où est-ce que nous sommes là? C'est pas une planète, c'est une bulle de création avec un. Il y a comme une sorte de regroupement de conscience. C'est une halte, quelque chose comme ça. D'accord. Et ce regroupement de conscience est là dans quel objectif? Des bulles de création comme celle-ci, il y en a plusieurs qui sont situées en périphérie de l'espace terrestre. D'accord, c'est le cas là pour lui. C'est Oui. dans la périphérie de l'espace terrestre, Oui. donc il est dans la matrice. Il n'est pas pris dedans. Il Oui, est il à est hors de l'ex. portée. Oui. Sur une dimension supérieure, dans quelle dimension il est? Douzième. 12e, hein, donc il n'est pas sous les filets matriciels. Non. D'accord. Et avant d'entrer dans ces, dans cette zone-là, il venait d'où? Il y a toujours ces mêmes couleurs qui sont là. Mmh.
Qu'est-ce qu'ils ont? Il a une plateforme quelque part? Il y a Arcturus qui vient. Arcturus, voilà. Ok, alors j'aimerais que tu ailles voir quelle est sa forme sur Arcturus alors, à quoi il ressemble. Il me dit qu'il a la forme que je veux bien lui donner. Oui, c'est vrai. Ok, alors quelle est sa fonction sur Arcturus alors? Quelles sont ses qualités, quelles sont ses fonctions, quels sont ses objectifs, ses centres d'intérêt? C'est une fonction de régulation et de création. Il y a une fonction d'intervention sur les mailles de la matrice, mais pas de la matrice qui est sous contrôle, de la matrice originale. Ah, d'accord. Mais Ok. il est pas tout seul en fait, hein. C'est comme une sorte de groupe en quelque sorte. Mais encore une fois, là aussi, il y a plusieurs groupes qui ont ce même type de fonction et qui agissent par vagues. D'accord. Très bien. Alors, combien est-ce que tu vois de groupes incarnés sur Terre actuellement, ou en tout cas incarnés ou non, en intervention? Il y en a des multitudes, mais ils ne sont pas tous en intervention directe. D'accord. Ok. Très bien. Bon, tu reviens ici maintenant? Oui. Donc, on va aller directement chercher Franck sur le plan Morentiel avant toute manifestation dans la forme. Oui. Très bien. Alors, demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. Il le sait, oui. Il sait qu'on va lui proposer de descendre à l'orée de cette incarnation en tant que Franck, uniquement, pour refaire. Réinitialiser cette incarnation afin qu'il ait tout son potentiel d'expression, de manifestation et de création. Donc, dans son plein potentiel, dans sa pleine expression, avec toutes ses qualités, sa conscience, Oui. dans cette nouvelle ligne de temps. Très bien. Alors pour ça, bien sûr, on va pas. Il va garder. Il va rester connecté quand même à ces parties de lui, d'Arcturus. Et cette partie de lui druidique pour en garder les connaissances et les compétences de ce qu'il a pu de ce qu'il a pu expérimenter. D'accord? Ok. Donc ben on va lui proposer de descendre directement à l'orée de cette incarnation avec un déplacement quantique. Est-ce que ça lui parle? Dans Oui, l'instantanéité, la simultanéité. c'est Alors c'est bon. correct. Je compte à trois, on y va. Un. 2, 3. Voilà, ça évite les déplacements dans la matrice et le monde archaïque. C'est bon. Très bien. Alors, demande-lui quel est son projet pour cette incarnation dans cette nouvelle ligne de temps, dans cette nouvelle configuration. D'écarter les mailles du filet, de les dissoudre. D'accord. Et ça ouvre l'espace. Il me montre le filet qui est en train de se dissoudre. Très bien. On parle de la fausse grille magnétique, hein? Oui. Ok. Bon, et bien c'est le moment d'entrer dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer à 100% dans ce corps. Dans sa physicalité. C'est comme s'il fonçait directement sur lui-même maintenant. Ici et maintenant. Très bien. Ok. Dis-moi combien est-ce qu'il est connecté maintenant à son essence, quel pourcentage?
70. 70%, d'accord. Ok, proposer de monter à 100% maintenant. C'est bon. Maintenant, il va se créer des racines profondes jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il programme uniquement pour cette existence. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui, c'est correct. Allez, on y va. C'est bon. Il regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'il veut faire, s'il veut couper entièrement, partiellement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre. Il coupe. Entièrement? Y a une grande décision qui est en train de se prendre maintenant et il est suffisamment puissant pour avoir son autonomie complète et coupée. Ok. Regarde pourquoi est-ce qu'il a choisi cette lignée familiale, puisqu'il est venu librement. Qu'est-ce qui lui a motivé à choisir cette lignée? Quelles sont les caractéristiques qui l'ont intéressé? Elle représentait toutes les caractéristiques qu'il recherchait, c'est-à-dire à la fois une certaine stabilité énergétique, mais qui en même temps a des garde-fous avec une certaine liberté derrière ces garde-fous. Il y avait tous les éléments dans la génétique qui lui ont permis d'installer cette sorte de voile que j'ai vu tout à l'heure, de garde-fou. D'accord. Ok. Mais pas fermé non plus, avec quand même une certaine latitude qui lui permettait d'agir. Ok. Mais plutôt que de perdre du temps en quelque sorte à tout retravailler. Là, il a suffisamment d'éléments, en fait, il les a tous, pour pouvoir couper et repartir de zéro dans sa pleine puissance. Bien. Alors maintenant, il regarde son ADN et il décide de ce qu'il veut faire, s'il veut le réaménager, réinformer ou le refaire entièrement, le remplacer. Il le remplace. Très bien. Alors il peut utiliser le gabarit de l'arbre séphirotique, donc qui n'est pas l'arbre kabbalistique, hein, mais l'arbre originel, pour recréer entièrement son ADN suivant le chaîne de perfection divine initiale. Oui, c'est bon. Très bien. Donc il émet toutes les informations qui lui sont nécessaires pour le projet qu'il a donc installé pour ce corps, cette expérience. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, bah nous sommes dans l'ici et maintenant, donc il n'y a pas de ligne de temps à remonter. On va simplement, enfin il va entourer cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie depuis sa source. C'est fait. Bien. Nous allons effacer l'ancienne ligne de temps, donc avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Donc je vais inviter Franck à être dans le ressenti de tout ce qui va se passer, dans la visualisation, enfin être au maximum participant au processus pour faciliter son intégration. Voilà. Il est là. Ok, non mais je parlais à sa partie physique. Hein.
Lui, je sais. Ce qui nous intéresse, c'est l'intégration. Hein. Alors, il va rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Il rompt avec toutes les lois matricielles, archaïques, les lois du karma, tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les conditions précitées. Oui. Il rompt et efface avec racine et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Alors avant de continuer, j'aimerais qu'il se connecte à tous les êtres avec qui il était en relation, d'Arcturus ou des autres, en fait tous les êtres de lumière qui sont là justement en vue de, on va dire, de libérer de cette matrice, de l'emprise, de tous ces systèmes, qu'ils se connectent à tous, où qu'ils soient incarnés ou non, intra-terre, extra-terre, ou dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps ou d'autres plans de réalité. Tous les êtres dans l'intention, dans unis dans cette maître intention, cette même intention, ils se connectent comme Oui, un réseau. en même temps, ça lui apporte de la force, c'est-à-dire qu'il n'est, il n'est pas, il ne fait pas cavalier seul. Voilà. Ça apporte une grande puissance, une grande force. Et en même temps, je veux qu'il transmette l'information du travail qu'il est en train de faire pour que chacun à son niveau puisse prendre ce qui est bon et juste pour soi, prendre des connaissances, développer des compétences et participer à ce grand canevas maintenant de retour à la vérité, la beauté, la bonté, l'amour. Oui. Ok. Donc, il transmet toute l'information de ce qui va se faire maintenant et de ce qui a été fait déjà, que chacun puisse avoir accès et l'utiliser. C'est bon. OK, pour soi. Très bien. Alors, donc, à présent, il va effacer toutes les peurs, tous les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. On va éliminer toutes les copies de lui s'il en existe quelque part. C'est bon. Et on intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui. Très bien. À présent, il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien et personne d'autre. Oui. Il rajoute. J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Maintenant, nous allons traiter la dimension psychologique. Alors, dans ce qui va être dit et proposé, tout ne le concerne pas, mais je dis tout quand même. Alors, il déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour qui ou quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui.
Je me libère de toute mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toute ma tendance à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toute mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toute mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toute mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toute mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toute mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toute ma tendance au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toute mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser et à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Je me désidentifie de toute forme et de toute identité dans la forme. Donc le je n'est pas qui je suis. Oui. Ensuite, il déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Alors, nous allons faire le processus du pardon. Est-ce que ça le concerne ou pas? La partie physique. Très bien. De mon plan humain et des autres, s'il en est. Je demande pardon à tous ceux qui ont besoin d'être pardonnés et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne. Oui, ça a allégé la partie physique. Oui, c'est les compréhensions supérieures. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. À présent, il déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Alors nous allons éliminer les mémoires akashiques, il ne conserve que ce qui est juste et bon pour lui, s'il veut conserver quelque chose, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne nuit de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Maintenant tu vas scanner tous ces corps, tu vas regarder s'il y a des traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques. Non, il n'y en a pas. Bien. Alors, il va entrer maintenant dans son corps, dans tous ses corps, jusqu'à sa biologie, jusqu'à sa moindre cellule, atome, particule, comme un téléchargement. Oui. Très bien. Il va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le perçois-tu? C'est la Merkaba, tu sais, les deux triangles inversés l'un dans l'autre. Et il y a Oui. son énergie qui est au milieu. Très bien. Ok. Alors, il va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de tous ses corps, de son plan physique, biologique, de tous ses systèmes, organes, fonctions, s'il en est. Pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. Oui.
Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Ça vient équilibrer son énergie qui était comme concentrée au milieu, mais comme concentrée comme une boule qui n'arrivait pas à s'étendre et à s'équilibrer dans cet espace-là de la physicalité. Très bien. Maintenant, il va connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutron primordial. Neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. et la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. À présent, il connecte et informe la cellule mère au soleil central. C'est fait. Il va désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Installer un programme de protection anti-ondes nocives, 5G, Linky ou toute autre forme d'onde limitante, destructrice ou Oui. déstabilisante. Il va installer aussi un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui va rendre son corps émotionnel et mental imperméable et créer autour de lui un corps diamantin. Oui. Ok. Installer un programme anti-produits chimiques à l'intérieur, sur et autour de son corps. Neutralisation, transmutation, expulsion ou autre traitement adéquat. C'est fait. Très bien. Maintenant, il installe un programme donc contre les ordinateurs, leur rayonnement et l'intelligence artificielle. Oui. Très bien. Maintenant, il va programmer tous ces programmes installés pour être permanents, indestructibles et en même temps adaptables à chaque situation, en tenant compte également des variations des lignes de temps. Oui, c'est primordial en fait cette étape-là. Ça lui permet de garder son autonomie, sa liberté sur ce plan-là, physique. Ça lui permet de garder sa liberté énergétique et ses moyens d'action. C'est bon. Très bien. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. À présent, il va créer et installer son code de vie. Oui. Très bien. Alors, il va installer un arbre séphirotique et l'activer dans les deux sens. C'est fait. A-t-il besoin d'activer son Merkaba? Non, c'est fait. Très bien. Placer et activer fleur de vie, graine de vie, double hélice 4, activé. Oui. Parfait. Maintenant, on va travailler sur son atlas et sa colonne vertébrale. Je te laisse faire. Il a déjà créé son propre espace sécurisé. Et là, dès qu'il vient bouger son atlas, il y a une onde de purification qui passe tout le long de sa colonne vertébrale. En même temps, c'est un son qui passe auprès de chaque vertèbre et qui vient purifier, nettoyer, libérer et reconnecter les vertèbres entre elles et à chaque fonction du corps.
Ça redescend les unes après les autres jusqu'au coccyx. Et au coccyx, il y a une libération qui se fait d'un coup. C'est pas vraiment des traumatismes, en fait, c'est des paquets de mémoire qui étaient refermés et bloqués là. Ça l'expulse tout d'un coup. Il repasse auprès de l'onde pour vérifier que tout est libéré. Fluide. C'est bon, c'est terminé. Très bien. Maintenant, il va sécuriser. Il entoure donc sa colonne jusqu'au chakra coronal d'un double sinusoïde, aller-retour, ascendant-descendant, avec l'énergie issue de sa propre source, bien sûr. C'est fait. Parfait. Maintenant, je vais proposer à son élémental l'ensemble des systèmes principaux. Donc, il va travailler dans le détail et dans le global de chacun des systèmes, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, en interaction et en synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chaque système, il va travailler par annule et remplace. Mmh. Et nous éliminons donc toutes les mémoires, tracés et empreintes, systèmes duplicatifs et reproductifs, copier-coller et programmation de chacun des systèmes. 1, 2, 3. Sauf que les temps multidimensionnels, quantiques et fractales. Oui. Très bien. Alors, il peut utiliser le gabarit de l'arbre séphirotique pour la perfection du schéma initial de chaque système. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Non. Système urinaire, émonctoire, évacuation. C'est bon. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Le système des cinq sens et les sens extrasensoriels. On va éliminer toutes les programmations limitantes sur tous les plans. Donc, je compte à trois avec trace, mémoire et empreinte, certains systèmes duplicatifs et reproductifs, copier-coller, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Il y a plusieurs filtres qui ont sauté, qui sont dissipés instantanément. Très bien. Activation des sens extrasensoriels, sécurisation de tous les canaux. C'est bon. Voilà. Alors, qu'il les rende invulnérables et ininfluençables. Il le fait avec soin, il prend le temps de le faire. Que les informations soient pures. C'est bon. Très bien. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec tout le tableau des fonctionnalités. Oui, une sorte de branchement qui n'était pas complet. Donc il termine en fait ce branchement. Mais c'était lié avec ce qu'il a fait sauter en termes de filtre.
c'était lié à ce branchement-là, parce que tout est interrelié. Mais là, c'est bon, c'est remis en place. Très bien. Quel effet ça va faire maintenant? Quels vont être les bénéfices pour lui? Il y a l'énergie qui pulse, en fait, dans tout son système dentaire. Par résonance, ça pulse aussi dans tout l'ensemble de son corps. Ça passe par les méridiens aussi. Et ça envoie aussi de l'énergie à tous ses sens. Et oui, puisqu'on sait que les dents sont diffusibles pour chaque système fonction organe. Mmh. Ok, très bien. Alors, système bioélectrochimique. Oui. Et l'équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est bon. Très bien. Maintenant, c'est la séance d'ostéopathie générale. Alors que son élémental travaille au plus près de la densité. Oui, ça lui permet de reconnecter avec son corps, avec sa partie physique. C'est bon. Très bien. Maintenant, c'est la microkiné. Il vient activer des points de liaison. Donc, il crée la liaison entre la partie physique et les corps subtils. C'est bon. Très bien. Et maintenant, la dernière nouveauté du protocole, le massage métamorphique. C'est presque trop houleux en fait. C'est comme s'il n'en avait pas besoin. C'est vrai. En train de, par rapport à l'équilibre qu'il est en train d'installer dans tous ses corps, il a suffisamment de sensibilité pour ne pas activer cela en plus. Très bien. Ben, il fait ce qui est juste et bon pour lui. C'est une proposition. Hein. Mm-hmm. C'est pas une imposition. Parce que là, dès que tu l'as évoqué, c'est parti en... ça fait comme des étincelles. D'accord, ça serait trop pour lui, quoi. C'est ça. Il est suffisamment... D'accord. Ok. Alors, laisse tomber le massage métamorphique où il fait juste ce qui est bon et juste pour lui. Hein. Il en utilise environ 6 à 7%. Ah bah écoute, si c'est ce qu'il lui faut, c'est parfait. C'est bon. Très bien. Alors, les chakras principaux avec les glandes associées. Chaque glande est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chacun des chakras, tu as installé une fleur de vie, une graine de vie et un double lendis 4 activé. Oui. Chakra secondaire. Idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux. Combien en vois-tu? 8. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, nous allons travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans, d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller et programmation, que tout soit éliminé. 1, 2, 3. Il a fait sauter la porte. Très bien. Maintenant, il va équilibrer les polarités. Donc, il peut utiliser l'implant neutre pour tout remettre au point zéro.
Dans l'équilibrage parfait. C'est bon. Très bien. C'est parfait. Voilà. Donc maintenant que, pendant que son élémental va continuer le travail, nous, on va travailler sur sa liste, sur les points qu'il nous a confiés. Donc, on parle bien sûr de l'ancienne ligne de temps, hein, pour les compréhensions et affiner le travail. Donc Franck dit qu'il détecte les présences du bas astral. Voilà. Il arrive aussi à lire dans les pensées les gens, etc. Enfin bon, il a des qualités de perception et il sent qu'il a un voile qui l'en empêche. Donc, au vu de ce qui a été découvert, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Mais c'est lui-même qui a installé cette armure. Mais elle n'est plus nécessaire. Alors, est-ce que c'est déjà parti, là où nous en sommes dans cette nouvelle ligne de temps? Est-ce que ce voile est encore là ou pas? Non. Il n'y a plus rien. Il rayonne. Je le vois rayonner. Et il y a des formes géométriques en ouverture qui sont placées d'une certaine façon que lui peut étendre ses perceptions, mais sans en avoir le retour qui pourrait lui être néfaste, puisque c'est sans arrêt en expansion. Très bien. Donc il ne reste plus aucune trace, mémoire ou empreinte de ce fameux voile? Non. Sur aucun plan? Non. Bien. Ok. Voilà. Donc il aimerait savoir comment les entités le perçoivent quand il est en présence, en leur présence. Comme un gêneur. Oui. Mais en même temps, elle n'arrive pas à l'attraper. Leurs griffes glissent sur son armure. Dans la situation présente, ça va encore se passer différemment, puisque là, il fonctionne différemment. Non plus avec ce système d'armure, mais avec ce... Il a une autre fréquence, en fait. Donc, de par là même, il est intouchable. Par sa lumière, par sa fréquence. Inatteignable, oui, c'est ça. Plus un dispositif particulier. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y a tentative d'approche, les entités sont littéralement brûlées. Celles du bas astral qu'il perçoit, elles sont littéralement brûlées. Ça a même un effet repoussoir. Elles s'éloignent, il les repousse. Ah bah oui, ils sont pas maso. Hein. Il est beaucoup plus puissant, comme ça. Et oui. C'est mieux de partir de l'intérieur que d'user de dispositif, c'est sûr. C'est la clé. Ok, donc il veut savoir vers quoi il va, quelles sont ses capacités. Bon, je pense qu'il a quelques idées. Qu'est-ce qui peut lui être dit par rapport à ça, par rapport aux questions que la personnalité se pose? Alors, ce qui vient tout de suite, c'est l'expansion, et c'est directement lié à son état énergétique. C'est-à-dire que les protections qu'il s'était installées, en même temps, le limitaient. Donc il y avait des choses qui ne se permettaient pas, comme un œuf qui n'arrive pas à éclore, dans la crainte qu'une fois l'œuf éclos, il soit attaqué et il n'y a pas suffisamment de place derrière cette armure pour que l'œuf puisse éclore et ce qui vient d'éclore se développer. Ça, c'était avant. Mais maintenant qu'il est en... Ça part, là, c'est puissant. En expansion, il n'y a plus de limites.
et dans l'illimité. Mmh. La créativité illimitée. Oui. Et toutes Ok. ces créations, parce que quand je parle d'œuf, c'est symbolique. C'est la création symbolique. Là, il y a éclosion et ça grandit, ça s'expand. Et là, il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de risque non plus, puisque c'est protégé par ses propres rayons. Donc, il peut mettre en place ce qu'il veut. C'est en expansion et c'est protégé. Plus on parle de l'intérieur, et moins on est vulnérable. Mmh. Ok. Très bien. Donc au niveau de sa profession, hein, donc il dit que chaque fois qu'il a un projet, qu'il arrive à le mettre, à l'aboutir, ben ça, à un moment donné, ça stagne. C'est Alors, exactement ce que je ça se viens de voile. décrire, voilà, c'est-à-dire Ça se c'est voile. que y a quelque chose qui vient, ça arrive à l'état d'œuf, et au moment d'éclore, c'est une analogie, hein, mais c'est vraiment représentatif. Au moment de briser la coquille, ça vient se heurter à cette protection, cette cuirasse qu'il a mis pour se protéger, mais en même temps, ça ne permet pas son propre développement ou le développement de ses idées et la mise en place de ses idées. Très bien. Donc c'était pour que ce soit bien clair. Ok, dernière chose au niveau de son cœur. Donc il y avait cette fameuse marque, ce traçage. Regarde s'il est encore là. Ah là, il n'y a plus rien du tout, non. Et plus rien. D'accord. Ok. Très bien. Donc au niveau sentimental ou amoureux, qu'est-ce que tu vois des blocages ou d'autres choses? Il n'y a plus de cuirasse. Il est en train de rayonner son cœur. Il n'y a plus de cuirasse. Bon, donc il est ouvert à tout maintenant. Mmh. Ok. Ok. Bon, ben voilà. Hein, après, c'est pas pour autant qu'on choisit tout, mais en tout cas, tout est possible. C'est une question de choix et Il a le discernement, c'est-à-dire d'intention. que. Quand tu dis il est ouvert à tout, oui, mais avec discernement. C'est ça. Parce qu'il n'a plus les traumatismes qui avaient créé cette qui ont fait qu'il avait créé cette cuirasse, mais ces expériences-là lui a donné du discernement. Donc il y a les deux faces de la pièce. C'est pour ça que j'ai dit ouvert à tout, mais il ne choisit pas tout forcément. Ce qui fait la différence, c'est le discernement. Et puis c'est aussi l'orientation de l'intention. Oui. Ok. Bon, bien écoute, au niveau de sa liste, voilà, on a fait le tour de sa liste. Donc on va continuer le protocole. Donc on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Ah. 2, 3. Puisque nous savons que le numéro d'INSEE, c'est la base de tout le système matriciel, d'où tout découle nos numéros, immatriculation sociale, machin truc, et que de s'en libérer, c'est ce qui permet d'avoir sa liberté. C'est fait. Très bien. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences et tout espace-temps et bulles de création. 1, 2, 3. C'est fait. Il va récupérer toutes ses énergies dans l'espace morontiel. Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Ça monte en intensité. Ça le fait se rebrancher directement avec lui-même,
avec toutes les parties de lui-même. C'est comme un circuit électrique, tu sais, dont tu viens brancher toutes les étapes. Et le courant passe. Alors, le courant passe, il y a toutes ces, quand je parle de toutes ces étapes, mais encore une fois, c'est lui-même qui les a installées. C'est pour ajuster à chaque fois, pour ne pas être brûlé. Mais en même temps, d'installer des étapes, ça prend de l'énergie. Donc là, le fait de les récupérer directement depuis le plan Moronciel, ça vient tout équilibrer et ça lui donne de l'énergie pure. Donc, c'est un processus nécessaire. Pour lui, c'est correct. Très bien. Est-ce que c'est bon? Oui. Bien. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui peut l'être, de tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Activation du diamant du cœur. Avec à l'intérieur, fleur de vie, graine de vie, double, les muscates activés. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Programmer ce processus dans la continuité et dans l'équilibrage. C'est fait. Il est toujours connecté au collectif de lumière. Oui. Les informations sont toujours transmises et utilisées, Oui. reçues. D'accord. Alors, processus du rajeunissement. Il en a besoin ou pas? La partie physique, elle est toujours un peu à la traîne, en quelque sorte. Pas chez lui spécifiquement, mais en général. Donc, je regarde lui. Oui, c'est un effet régénérant. Très bien. Alors, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fameuse fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Programmer donc également la continuité et l'équilibrage de ce processus. Oui. Guérison instantanée, ça lui est utile ou pas? Ça lui permet d'apporter à sa partie physique des informations intactes, originales. Et c'est Ok. comme oui, c'est correct pour lui. Très bien. Alors il place sa conscience dans l'espace Moronciel. Oui. Il fait descendre l'information, l'énergie et les codes jusque dans là où les parties bloquées à réparer ou en tout cas qui en ont besoin. Ça fait une mise à jour. C'est bon. Activation de l'arbre séphirotique. Oui. Dans les deux sens. Installation fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activée. C'est fait. Très bien. Bon, on lui fait le baume de vie régénérant. Oui. Alors, on prend les cellules souches de l'eau primordiale
fleur de vie, graine de vie et double hélice 4. Il mélange tout ça, il en fait un boom. Et bien sûr, activé. Toutes ces étapes-là, dont celle-ci, en fait, permettent au corps physique de mieux intégrer toutes ces nouvelles énergies, toutes ces nouvelles conditions énergétiques. Ok, donc il active tout ça et il s'enduit des cheveux jusqu'aux orteils, à l'intérieur de lui et à la surface. Oui. Ça vibre. C'est bon. Très bien. Alors, on va regarder son ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu as de brins d'ADN de connectés. Okay. C'est entre 10 et 12 en fait. Il y en avait combien avant la séance? C'est comme s'il y avait des adaptations qui se faisaient. Avant la séance, il y en avait 8. Ok. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? C'est comme une route qui permet le passage plus rapide et plus fluide d'informations. Ça élargit la route, c'est-à-dire de petite route, ça devient une autoroute par rapport aux informations qui passent entre lui et son soi supérieur. Très bien. Combien est-ce que tu as de temps d'intégration? Quelle fourchette de temps? Qui va bien sûr varier en fonction de son attention, de son attitude mentale et émotionnelle. Bah déjà, ça commence tout de suite. Et ça va faire comme des paliers. Et ça va s'étaler pendant 6-7 mois. D'accord. Est-ce que tu vois des effets inconfortables dus à la métabolisation? L'élémental du corps physique se demande ce qui se passe et il y a des fois où il décroche. Bah, et puis hop, il se remet à niveau et à nouveau il décroche. Et... Ouais. Bah, invite-le à prendre l'information, qu'il regarde, qu'il en ait les connaissances pour que ce soit moins perturbant pour lui. Oui, c'est-à-dire qu'il était habitué à un certain mode de fonctionnement où de toute façon, il s'arrêtait à certaines limites. Et puis maintenant, il n'y a plus de limites, donc c'est assez déconcertant. Ok, alors ce que nous allons faire, on va l'amener dans le futur. Tu vas l'amener dans 7-8 mois, au moment où toute la séance est intégrée et pleinement métabolisée. Tu vas à ce moment-là, on l'amène à ce moment-là. Oui. Très bien. Comment se sent-il là? Entier. Tout est en harmonie. Je veux dire, il n'y a pas de dissonance entre les différentes parties de lui-même. Ok. C'est aligné. Alors, je veux qu'il soit pleinement dans le ressenti et dans l'appréciation de cet état. Oui. Et maintenant, il ramène ici et maintenant. Oui. Comment ça se passe pour lui maintenant? Avec le ressenti, les informations et les appréciations? Ça met la partie physique à niveau, en quelque sorte. Très bien. Ça stabilise. Ok. Voilà, bon, on va sécuriser son ADN, on va l'enrouler, enfin, il va l'enrouler d'une double spirale ascendante-descendante d'énergie issue de sa propre source. Oui, c'est fait. Parfait. On va regarder son domicile.
Il a installé des boucliers dans son domicile aussi. Bon. C'est les duplicata des boucliers qu'il avait sur lui. Ouais. Bon, il n'en a plus besoin. Non. Bon. Regarde, il est situé sur des perturbations géobiologiques ou énergétiques. Non, ça n'a pas d'incidence. Non. Non. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses dans son domicile, à part ses boucliers, des choses inopportunes? Non. Ok, donc il fait une grosse tornade, il nettoie tout. Allez, avec les mémoires, les traces, etc. Il nettoie, il purifie. Les boucliers qu'il avait installés créaient des dissonances énergétiques à certains endroits. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, il va installer partout fleur de vie, graine de vie, plaque Tesla et double lémiscate activé. Oui. Sur son compteur général, il place un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Sur ce diamant, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. C'est fait. Sur le plafond, un boîtier qui va filtrer l'air, y compris nanotechnologie, et produire par ailleurs un effet puissant en Niagara. Avec ses embruns, son pouvoir régénérateur, rafraîchissant, régénérant. C'est bon. Avec un son et un parfum qui vont se moduler en fonction des besoins et des situations. Oui. Très bien. Maintenant, il remplit tout son espace de sa propre énergie. C'est bon. Il peut mettre tout ça dans une bulle christique. Oui. Et lui-même dans une bulle christique. C'est fait. Très bien. Alors, on va appeler son supérieur et lui demander ce qu'il pense. Attends, non, on n'a pas terminé. Maintenant, tu vas programmer les protections de tous les différents états de conscience. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, avec adaptabilité à toutes les lignes de vie. Hein. Ça assouplit. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que tous ces états de conscience étaient eux aussi, ils les avaient mis en sécurité déjà, mais derrière ce bouclier. Donc ça a créé quelque chose, une certaine rigidité, quelque chose de figé qui empêchait de l'expansion, qui empêchait d'aller plus loin. Et là, ça ouvre de nouvelles perspectives. Dans chaque état de conscience. C'est comme s'il pouvait aller plus loin en sécurité dans chaque état de conscience. Très bien. C'est bon. Très bien. Maintenant, il va relier le début et la fin de la séance. Oui. On va faire une bulle pour le moment présent, l'état actuel, et une bulle pour la fin de la métabolisation. Réussi. Totalement intégré et manifesté. On fusionne les deux bulles. Oui, c'est fait. Elle s'expanse et elle rayonne, elle irradie. Oui. Dans sa bulle, on y inclut l'élémental de son corps. Oui. Et elle irradie donc dans toutes ses bulles de création. Dans tous les domaines qui sont les siens. Oui. Très bien. Bon, eh ben, ça va être la fin de la séance. On va appeler son soi supérieur, lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il me montre une boule entière. Et en expansion.
Et ça, c'est correct. Et c'est en même temps une boule d'information passe par la voie qu'il s'est ouverte, qui est droite, directe et sécurisée. C'était comme une évolution nécessaire. Et c'était même. C'était prévu en fait. C'est-à-dire que ça me ramène toujours à cette image de l'œuf. À un moment donné, il faut briser la coquille et étendre ses ailes. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qui était attendu et même prévu. Donc tout est dans la justesse et dans le bon temps, puisqu'ici nous fonctionnons dans le temps, donc ça vient exactement en temps et en lieu. Tout est juste. C'est bon. Très bien. Il veut s'exprimer. Il veut dire quelque chose à Franck, qui l'écoute là, présentement. Plus particulièrement, plus personnel. Mais il sait en fait tout ce qu'il y a à savoir, puisque lui-même a mis en place les choses. Il a tout en lui en attente d'être déplié. Et il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur à avoir. Dans cette confiance infinie, il avance en fait, il déploie ses ailes, c'est vraiment ça. Très bien. Un peu son âme pour voir comment tu la vois. Elle est pure, limpide et transparente. Elle était déjà en cours d'auto-nettoyage et là, elle a terminé. Ok. Bon. Eh bien, ça va être la fin de la séance. Avant la douche finale, on va les saluer. Saluer dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat, on va dire plus affiné, et dans cette nouvelle version de Franck. Et nous allons pouvoir redescendre nos fréquences. Oui, c'est bon. Nous réancrer, équilibrer. C'est bon. Parfait. Besoin de régénération? Non. Non? Ok. Donc on appelle Franck pour trouver son portail, sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles, chacun peut ressentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. Et l'apprécier totalement. Oui, ça pétille. C'est bon. Dans la cellule mère, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Regarde ce qui se passe quand on fait ça. Ça augmente la puissance, ça fait. Ça élargit le champ d'action dans la puissance intérieure, mais aussi dans. Alors, c'est pas l'espace, c'est sur les autres plans. C'est un impact fractal, c'est ça, sur tous les C'est plans? ça, c'est ça. Très bien. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. C'est bon. Parfait.
Alors chacun va sortir de son endroit, retourner à sa place respective, après avoir fermé le portail derrière soi. Oui, c'est bon. Es-tu prête pour le retour? Oui. C'est parti. Oui. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Comment te sens-tu? Bien. Bien revenu, bien ancré? Oui. Allez, à nous Franck, si tu veux remettre le son. On t'entend très loin. C'est bizarre. Je t'entendais mieux tout à l'heure. Ça va mieux? Si tu rapproches ton micro, peut-être, mais c'est moyen. Non, j'ai défait le casque. Ça va là ou pas? Ouais. Bon, on va dire que si tu parles fort, ça va mieux. Mais bon. Ou alors débranche-le, peut-être. C'est bon. Peut-être. Ah, attends, tu vois. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Ah oui, c'est bien mieux, oui. Oui, c'est Bon, mieux. alors on reste comme ça. J'ai une question qui est venue entre-temps. Est-ce que c'est trop tard ou pas? Non, vas-y, c'est quoi la... Bah, ça dépend, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, la question c'était de savoir si maintenant, puisque je ne le faisais pas avant, je pouvais aller faire des soins sur la guérison, enfin pour les gens qui ont des Ah points de bah, tout est possible, là. Maintenant, c'est toi qui décides. Si tu en as l'impulsion, tu y vas. Il n'y a pas de poser de question, est-ce que c'est possible ou pas, ou est-ce que je dois ou pas. En fait, tout est possible, c'est une question de choix. Si tu le sens, si tu sens cet appel que tu as cette impulsion, c'est que c'est juste pour toi. Je ne sentais Après, pas. si tu pars du principe que tu es illimité, que tout est possible, ben voilà, tu auras les inspirations, tu auras les énergies, tu auras tout ce qu'il faut. Tu vois, tu es créateur. D'accord, parce que auparavant je voulais pas le faire, mais depuis quelques mois, j'ai l'impression que ça m'appelle. Voilà. Voilà. La réponse est oui, hein, clairement. Hein? Voilà. Oui. Voilà. De toute façon, si tu as cet appel, si tu as cette impulsion, c'est qu'elle est juste, c'est qu'elle. Voilà. Hein. D'accord. Bon, donc au niveau professionnel, je vais pouvoir m'épanouir maintenant alors. Hein? Écoute, on va dire maintenant que c'est déjà en route, hein. D'accord, ça marche. Ok. D'accord. Bon, c'était très intéressant, très bien. Il va falloir que je le réécoute, à mon avis, calmement. Oui, je sais ce que je conseille toujours, de réécouter, de ressentir, de prendre de l'information, de s'en faire un outil de l'appréciation, tu vois, parce que bien sûr, ce qui se passe là, on te réinitialise, on te reconnecte, enfin, etc. Enfin, c'est toi, hein, bien sûr. Nous, on est que l'outil. Et en fait, tu es comme devant une page blanche. Et maintenant, bah, en tant que co-créateur, tout va dépendre de ce que tu vas mettre, toi, sur cette page blanche. Au niveau de ton manière de, voilà, changer tes croyances, changer une vision des choses. Enfin, tu vois, l'énergie que tu vas y mettre. C'est ça qui va maintenant. C'est toi qui co-crée ta future réalité. D'accord. Est-ce que j'aurai une possibilité de télécharger cette vidéo pour moi la garder Bah, ou pas? déjà, elle est disponible sur YouTube, déjà sur Skype, déjà. Donc, tu peux la télécharger. Et puis, la question bah, c'est que je vais te poser, c'est est-ce que tu m'accordes de la publier sur YouTube? Oui, parce qu'il n'y a rien de gênant, Voilà. il n'y a aucun problème. Tu veux être flouté? Non, non, c'est pas un Ah, souci. bah, génial. Super. Voilà. Voilà, donc déjà, dans pas longtemps, tu l'auras déjà sur YouTube. Et en attendant, tu peux déjà la voir sur Skype. Elle est là. Quand on va raccrocher, tu verras, elle est en plusieurs morceaux. Ou tu la visionnes directement, ou tu la cliques droit pour l'enregistrer sur une clé USB. Enfin, tu vois. Ouais. D'accord, ça marche. Okay. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup. J'espère que tu donneras des nouvelles dans quelques temps. Hein. Oui, volontiers. Par Oui. mail ou SMS, dès que voilà, nous explique ce qui se passe, comment tu vis la métabolisation, les changements qui sont déjà manifestes, tu vois, si tu as Ah. des questions. D'accord, ça marche. Et Ok. merci à Emmanuel, bien évidemment, pour cette excellente prestation, hein, Oui. comme d'hab. Ça va, Emmanuel, ça n'a pas été douloureux alors, cette connexion avec mon âme. Non, c'était bien. Non, là, c'est bien. Ce fut un plaisir. Merci à vous deux. Merci Merci beaucoup. à toi Franck et merci de nous avoir offert cette belle occasion. Merci. Au revoir. À Au bientôt revoir, à et bientôt. merci pour la permission pour tout le monde. Merci.